Quoi? Les messes reprennent là? Non, attends, mais d'où ça sort? Bah ouais, mais du coup, je sais pas si on est prêts, nous. Mais non, je dis pas qu'il faut décaler, c'est une très bonne nouvelle. Mais c'est un petit peu comme si Jésus était ressuscité le deuxième jour, hein. Les apôtres, ils auraient été aussi heureux, mais t'en aurais toujours eu un pour dire « Dis donc, il a pas dit que ce serait le troisième jour ?» Non mais du coup, on fait comment? Parce que là, il faut quand même expliquer aux gens comment ça va se passer. Hein, les places sur les bancs, les masques, la communion. Et je me dis que faire une vidéo, ce serait pas mal. Ah, vous avez déjà prévu? Bah, au revoir, oui. Ouais, c'est bon, je l'ai. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à la messe. La représentation qui va suivre concerne votre sécurité à l'église. Merci de nous accorder votre attention. Vous devez désormais respecter des distances de sécurité, en étant au maximum 5 par banc, ou bien être éloigné de moins de 2 mètres. Du gel hydroalcoolique vous sera proposé à l'entrée de l'église. Nous ne pourrons pas fournir de masque. Soyez malin en emportant le vôtre. Placez le masque sur votre visage avant d'entrer dans l'église. Ne jouez pas avec le masque de votre voisin, surtout si la messe a déjà commencé. Les points de communion vous seront indiqués par un marquage au sol clair pour faciliter la circulation. À l'avant, au centre, à l'arrière. Merci pour votre attention. Au nom de toute l'église en France, nous vous souhaitons une très sainte messe. Alors non, c'est pas que je suis pas convaincu, hein, c'est... comment dire? Voilà, il manque quelque chose, ouais. Hein, je sais pas, genre un document complet à télécharger avec des propositions concrètes, un truc qu'on mettrait en lien dans la vidéo. Hein. Ouais, c'est une bonne idée, ça. Hein. Et on termine la vidéo avec un carton. Pour de vraies infos sur la reprise de la messe, téléchargez le fichier en description. Allez, bon courage et on se rappelle.